En fait, l'enfant, c'est le reflet de son père. Et nous devons comprendre que moi, je suis chrétien, n'est-ce pas? Moi, Noyanga, doit suivre ma voie. Parce que Josué dit ceci. Lorsqu'il a trouvé Israël était en train de faire autre chose, Josué a dit, si vous voulez faire tout ce que vous faites là, faites-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, tel que je suis là, toute ma maison doit servir. Mais la souffrance que je sens dans ça, c'est quoi? C'est pourquoi les gens comprennent. Vous savez, il y a un vent là, Europe, ceci, cela, les gens ne comprennent pas. Et moi, j'ai toujours dit, sans retard, que les gens comprennent ces choses-là. Et vous voyez maintenant, celui-là, je viens, je suis... Non, non. Écoute, quand l'enfant est encore petit, évitez de les amener en Europe. Parce que l'éducation européenne, il y a Mindele et Occidentaux, les enfants sont comme des rois. Improvise, on s'autoproclame et on commence à parler. Bon, les réseaux sociaux, c'est-à-dire si tu as un 10 francs, 20 francs, tu peux passer. Et quand tu passes, tu séduis les gens. Ce n'est que rien. Voilà pourquoi nous disons, ça ne sert à rien. Sur le temps de la fête, faisons beaucoup d'attention. Faut tous à la fidèle ensemble. Donc, on fait le travail. On n'est pas obligé toujours qu'au salam, nous sommes les canaux de télévision. Le Saint-Esprit, c'est une réalité. Une personne entière en nous, et c'est réel, et nous le portons. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, en étant le temple du Saint-Esprit, on ne peut plus symboliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient une réalité, et là au moins, je suis d'accord avec le pasteur Marcelo, parce que les Mungwa, les Mafuta, les ceci, n'ont plus de l'espace. Une seule chose, ça peut arriver. Quand nous t'avons prié, ça peut arriver qu'on a prié, Dieu te dit, fais ça. Peut-être une seule fois dans la vie, tu le feras. Révélation. Une révélation. Ça ne restera pas que comme un enseignement, une doctrine. Le mal ici, nous sommes en train de condamner la doctrine. Donc à tout moment, il faut battre son macamafoot. Non. Les commerces, il y a beaucoup de façons de faire des commerces. Donc évitons de commercialiser les choses de Dieu. Parce que vous verrez que moi aujourd'hui je peux dire que Jérémie n'a qu'utana mon condition le parc j'aurais mal t'as qu'utana tête mais un chef coutumier se minute bon chef coutumier là qu'est-ce qu'il fait pour le pays c'est ça aussi vous voyez et vous voulez maintenant dire que c'est l'église là moi je dis non et j'ai besoin que les hommes de l'église comprennent ces choses donc biso toza n'a pas la responsabilité mais va faciliter prière na biso et à l'agréable Dieu. Ce n'est pas le Dieu du syncrétisme. Sangissa, ça ne donne pas un bon fruit. Il faut que Batouba yé Batola Ninza Mémine. Donc, chef coutumier Nangambo, et s'il y a des choses qui se passent dans le pays, c'est le chef coutumier, on va les consulter, on va consulter les devins, mais finalement, quand il y a des mélanges comme ça, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Et là, il ne faut pas parler des églises. Les églises, nous sommes là, et si il y a des mauvais, sachez-le aussi qu'il y a des bons. Très bien. Parce qu'on ne peut pas dire que l'église est Zamabela. J'ai dit non, cette logique-là, c'est injuste. Nous devons. La Bible ne nous a pas dit que vous prendrez le sel et le sel fera fuir les démons. Mais la Bible dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Ce n'est pas le sel, c'est le nom de Jésus. Mais ils ont rebellé les chrétiens, ils ont rebellé les chrétiens. Ils ont inventé les biloko. Comme ils ont toujours dans l'esprit, dans la sensation, dans la psychose sur Bonganga. Donc, nous les Africains, nous aimons à tout moment aller chez le Nganga. Et tant qu'église, les gens veulent toujours qu'ils aient pensé qu'ils aient Bonganga. Non, non. Écoute frère, on ne peut pas laver quelqu'un à maille. Où est la place de Jésus? Si c'est l'eau qui est indispensable aujourd'hui, si c'est le sel qui est indispensable, alors mettons Jésus de côté. Justement, à Kinshasa, nous sommes responsables à Ophelina, Jésus est mon papa. Nous avons eu l'habitude pour nous représenter nos besoins, nous avons eu des difficultés tous les jours. Ça fait longtemps il y a beaucoup la bana selon ainsi dit l'Éternel mais bah difficulté ils ont mingi difficulté il y a loyer parce que toujours fouté là et puis difficulté au fouté la bana Minerval pour toujours au bandaki tout ça qui avance mais tika lindambo
nazo banga kebana oyo bakata classe bakoma ngo na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batu nyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyoso ba congolais bobi ba réalité nini to passé ngo na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a osala ngonga moko. C'est pour cela nazo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyoso baza kya sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue comme on ngweza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 zamba pambola bato nyoso yo ba ko assister biso. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, shalom et surtout bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Jérémy Lemba, les renards du désert, encore une fois devant vous. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez les liens. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Faustin Ikaka, qui revient à la maison après quelques moments d'absence. Je crois que vous serez tous bénis. Bonsoir papa. Bonsoir Jérémy, merci beaucoup. Nous sommes très heureux, papa. Oui, moi aussi. Ça fait un bout de temps, mais chaque chose a son temps. Très bien. Voilà, tous les marines à prier, papa. Tendre Père, merci pour ce temps que nous voulons commencer cette émission. Béni soit ton nom et assiste-nous, dirige toutes choses. Béni ceux qui vont nous suivre dans cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, et que l'équilibre soit aussi béni dans le nom puissant de Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je rappelle que nous sommes à l'Imité 13e rue résidentielle, Assemblée chrétienne, centre de foi, là où nous sommes reçus chez le pasteur Faustin Ikaka. Bonne évolution au ministère. Oui, ça va, le ministère est allé qu'évoluer. Nous sommes à Zosungabiso, Ngolunae Pézali. On est là par sa grâce. Ah oui, c'est un ministère de délivrance prophétique ou bien comment? Ah oui, tout ça, plus la spécialité sur la foi. Parce que Bible et lobby, sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Donc, pour que tout soit agréable à Nzambe, il faut que la foi domine. Donc, la foi est anglo-bakanios. Même la délivrance, même la nous avons besoin. C'est la foi qui t'amène dans le monde de Dieu. Puisque le lobe a une prophétie, papa, il y a une vie qui a été en train de se faire. C'est-à-dire, il y a un temps compliqué, et surtout, il y a un temps qui est totalement phase côté eschatologie, il y a un découvrir que il y a un événement à temps à fin. Il y aura beaucoup de prophètes, il y aura beaucoup de docteurs et de faux, alors avec le but de séduire. Il n'y a pas autre chose que chercher à séduire. Et comme on est en train de chercher à séduire, et les gens se laissent séduire. Mais alors, il y a une tierce, son zamba bongisaka, poba memali lo bandenge ezali. Donc, c'est le temps de la fin où les éléments, où ezali éléments, ba signe précurseur, et mon anapolele, tant d'autres ezali, biloko tozo loba, il y a ba séduction systématique. De angezo monana ba se dire ba tout prophétie et les gens ne comprennent pas ces choses ba se lancer facilement mais c'est le temps de la fin mais nous voulons dire aux gens la parole de Dieu suffit ayons foi à la parole de Dieu dans la parole de Dieu il y a la bonne prophétie dans la parole de Dieu il y a une délivrance dans la parole de Dieu il y a tout sauf rien restons fidèles à Dieu et je vais dire la foi en Jésus nous suffit. C'est ça ce qui est important pour lui. Très bien, pasteur. Mais alors, j'aimerais dire une chose. Osa, parmi les rares pasteurs, il n'y a plus qu'à s'isoler. Je n'ai pas trop parlé de vous alors que nous avons salé à Marmébélé, dans Simanayo. Alors, bah, jeune Ming, génération montante, bah, il y a des médias, bah, il y a des visibilités, alors que bah, ils croquaient tout. En réalité, ils ne savent rien faire devant les gens.
prière en plus efficacité. Les gens prient beaucoup, mais il n'y a pas de solution. Pourquoi il n'y a plus qu'on s'est réservé? Oui, pas qu'on s'est réservé. C'est-à-dire, la publicité, c'est le Seigneur qui fait. Ce qui est commis ça, c'est la publicité. Et comme il a raison, monsieur Sozo, ça, il a ensemble. Parce que ce qui est allé, quand il a raison, il y a dit le banzambe, tu vas laisser Dieu seul à mes maillots. Nengalingi. Mais aujourd'hui, c'est comme tu dis, les jeunes gens, ça a une base spirituelle, ça a un père spirituel connu, parce que Moutouna vit, il faut toujours avoir un père spirituel. Mais quand on s'improvise, on s'autoproclame et on commence à parler. Bon, les réseaux sociaux, c'est-à-dire, si tu as un 10 francs, 20 francs, tu peux passer. Et quand tu passes, tu séduis les gens. Ce n'est que rien. Voilà pourquoi nous disons, ça ne sert à rien. Sur le temps de la fête, faisons beaucoup d'attention. Faut tous à la fidèle ensemble. Donc, on fait le travail. On n'est pas obligé toujours qu'au salam, au salam, sur le canal télévision. Dieu, n'aya qu'au prier pour Nabat, il faut toujours montrer ça à la télé. Bah, témoignage. Bah, témoignage, il faut seulement parler à la télé. Ça, c'est juste l'autopublicité. Moi, je pense que quand tu sers Dieu, laissez que la gloire revienne à Dieu seul. Et nous, nous devons rester comme serviteurs. Et à comme Mabiso, n'engeya lingi. Sinon, on sera scandalisé, Nata ya fin. Alors, plusieurs évangiles, Anouka et Kotine Église. Vous comprenez quoi par rapport à Anouka wana? Ce sont des expressions que j'ai toujours dit. Les gens dorment, se réveillent, inventent des expressions, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de notions hébraïques. Parce que quand ils tirent enseignement, peut-être même la joie qui est l'Ancien Testament, mais il faut contextualiser l'enseignement que tu donnes. Donc il ne fait pas donner parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'interprétation. Tout prédicateur interprète la Bible. Mais pour interpréter la Bible, il faut au moins le respect des règles d'interprétation. Donc c'est ça ce qui fera que même un mot au lobby, il faut constituer un contexte nini, moi ne l'obama qui et pourquoi je dois l'amener aujourd'hui. Sinon, au cas là bas, erreur et belé, dire le mot. Bon, nous sommes dans un peuple où les gens veulent toujours acclamer, mais en soi, les gens qui sont bien assis dans la parole ne peuvent pas comprendre de telles choses. Ce sont des choses qui nazotiango na classe yaba séduction tout simplement. On veut séduire, frapper le regard des hommes vers eux, mais il n'y a rien. Moi, je dis aux gens, Jésus-Christ nous suffit et sa parole nous suffit. Très bien, voilà, on va essayer d'avancer, l'homme de Dieu. Entre nous, Nalandaki, pasteur Marcelo, interdire aux chrétiens l'usage de sel, mungwa. L'homme pasteur rebelle, il a commencé à bengiye, à la prière, surtout en distance. Il a obligé à somba mungwa et puis à la, plutôt, à somba bassin, à la maï. Service à mungwa, na maï. Lorsque pasteur Marcelo l'interdit comme ça, il peut être que pasteur, ça vous dérange aussi? Non, au fait, Marcelo n'interdit pas, mais ne fait que démontrer ce qu'est la Bible. Au fait, quand on dit que ça est là-bas mungwa, que ça est là-bas mafuta, que ça est là-bas kwanko, mai, ça c'est ce qu'on appelle le symbolisme. Ce sont des choses qui symbolisaient la personne du Saint-Esprit. Avant l'arrivée du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, on pouvait symboliser avec l'huile comme Saint-Esprit, l'eau comme Saint-Esprit, basuit, sel, une démonstration symbolique. Mais l'état actuel de l'Église, ce n'est plus le temps de la loi, mais c'est le temps où le symbolisme n'a plus de la place. Maintenant, c'est la réalité. Le Saint-Esprit est en moi. Je n'ai plus besoin de le représenter par quelque chose. C'est-à-dire, le chrétien ne se connaît pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne nous visite plus, mais le Saint-Esprit vit en nous. Et c'est une réalité. C'est une évidence. Imagine-toi, Oloti Olali, Oloti Ozuelo Komokoboué. Et tu te réveilles, Ozuelo Kango. Est-ce que tu vas rentrer encore dans les temps de rêves où tu dois comprendre que maintenant, ce n'est plus le rêve, c'est la réalité? Tu vois, je peux appeler Jérémy, viens, on va faire une, on va monter une émission au Tokosala. Et ça déjà l'ikanis nazui, Tokosala inanuté. Mais n'engue Tokosala l'émission boy. N'encore qu'il soit Tokosala la représentation à émission à Jérémy, maintenant c'est la réalité.
Donc, c'est l'évidence. Le Saint-Esprit n'a plus besoin de symboles. Le Saint-Esprit, c'est une réalité, une personne entière à nous. Et c'est réel. Et nous le portons. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, en étant le temple du Saint-Esprit, on ne peut plus symboliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devient une réalité. Et là, au moins, je suis d'accord avec le pasteur Marcelo, parce que les Mungwa, les Mafuta, les ceci, n'ont plus de l'espace. Une seule chose, ça peut arriver. Quand nous avons prié, ça peut arriver qu'aux gens à prier, Dieu te dit, fais ça. Peut-être une seule fois dans la vie, tu le feras. Révélation. Une révélation. Ça ne restera pas que comme un enseignement, une doctrine. Le mal ici, nous sommes en train de condamner la doctrine. Donc à tout moment, il faut battre son macamafout. Non. Les commerces, il y a beaucoup de façons de faire des commerces. Donc évitons de commercialiser les choses de Dieu. Donc on ne peut pas dire aux gens qu'acheter cette huile, ça c'est une grande bénédiction pour vous. Non, l'huile ne paie rien. Ceux qui m'écoutent, écoute-moi. L'huile ne paie rien, le sel ne paie rien, et l'eau ne paie rien. Il n'y a que Dieu seul par le Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Oh, le Saint-Esprit, ce n'est plus le symbole, c'est la réalité habite en nous et il est aussi en vous qui nous suivez. Donc, il ne faut pas suivre ces choses. Mais pasteur, ça c'est bien dit, mais entre nous, il semblerait que Mungu est bien un démon. Oui, mais ça, si ce qui Mungu est bien un démon, tu vas y aller dans le monde et Mungu est bien un démon. Biso na monde na biso, la Bible nous a pas dit que vous prendrez le sel et le sel fera fuir les démons. Mais la Bible dit, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Ce n'est pas le sel, c'est le nom de Jésus. Mais ils ont rebellé les chrétiens, parce que les gens ont inventé. Ils ont inventé biloko. Comme ils ont toujours un esprit, une sensation, une psychose sur Bunganga. Donc, nous les Africains, nous aimons à tout moment aller chez le Nganga. Et tant qu'église, les gens veulent toujours qu'on ait une pensée que Nake na Bunganga. Non, non. Écoute frère, on ne peut pas laver quelqu'un à maille. Où est la place de Jésus? Si c'est l'eau qui est indispensable aujourd'hui, si c'est le sel qui est indispensable, alors mettons Jésus de côté, restons avec le sel. Or la Bible dit, nous sommes le sel du monde. C'est-à-dire les gens qui affectent avec la faveur du Saint-Esprit qui nous habite. Donc lorsque moi je suis en contact avec Jérémie, je libère la gloire et le Saint-Esprit l'affecte, il devient une lumière, il devient accessible à Jésus. Mais ce n'est pas prendre Mungwa au Sukoli Mutu, Nde Ekosala Nini. Les démons ne seront jamais, parce qu'on a utilisé le sel. Les démons, Bakokima, par le nom de Jésus-Christ. Alors, merci beaucoup, pasteur Faustin Ikaka. Je crois que nous sommes au Congo, RDC. Bandekoba Talabiso à travers les quatre coins du monde. Ça a été bien expliqué, bien enseigné. En dépit de ça, vous étant que patriote, homme de Dieu, spirituel, comment est-ce que tous en avez église et belé papa et puis ça kubotama du jour au lendemain. Mais cette pauvreté, souffrance ya congolais aussi la terre. Sur aucune partie est ya Congo, bitumbezo continuer. D'ailleurs aujourd'hui, j'ai suivi un tweet ya professeur Mbata, moi j'allais vice-président de l'Assemblée nationale. Asengi na ba généraux ou bazali délégué na partie est du Congo, ceux qui boza incapable y a aussi les guerre wana comme ça ba mitim na ba mbandaka bokin ba kwilu ba kikwiti ba tsa ba to baza plus compétent plus que bino, parce que là on a l'armée qui nous prend beaucoup d'argent, mais les choses ne finissent toujours pas. Est-ce que na ndenge toujours ensemble là spirituellement les Congo peut avancer, ça peut changer les choses? Mais Jérémie, je pense que tu cites ça là. Plusieurs missions. Missions, et peut-être au lobe la likamboana. C'est pourquoi vous verrez que les gens qui nous suivent des fois, comme on a un kofinga pasteur, un kofilobaboy pasteur, quand on a une église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, écoute, chaque chose, il y a la part des choses. Donc, on dit la part des hommes et la part de Dieu. Il ne faut pas que tout ça soit kabate, il y a complaisance. Vous voyez? Un prédicateur, ce n'est pas un homme de complaisance. C'est l'homme qui démontre la chose telle qu'elle est. Nous devons comprendre qu'il y a la responsabilité des dirigeants et la responsabilité de
l'Église. Notre responsabilité, c'est à quel niveau? Prier Dieu. Et lorsqu'on dit prier Dieu, implorer la grâce. Solliciter la grâce de Dieu. Et lorsque nous prions, ça tombe dans une terre qui doit être fertile. Et ce n'est pas l'Église qui est à la direction du Congo. Le Congo n'est pas la direction de l'Église. L'Église n'est pas la direction du Congo. Donc ce n'est pas l'Église qui dirige le Congo. Mmh. L'Église est là, bien que ce soit d'ailleurs un État laïque. Vous comprenez ça? Donc chacun prie de sa manière. Plusieurs confessions. Mmh. Donc un État laïque, on ne peut pas, jamais, au grand jamais, marginaliser l'Église, prier l'autre côté. Non, ce n'est pas l'Église qui doit changer quelque chose. Mais l'Église a sa part de responsabilité. Prier, démontrer la voie par laquelle il faut emprunter pour s'en sortir. Et tout le monde a même la réalité, ça lui même Israël. Donc Israël, les gens, quand il arrive chez les prophètes, les rois, on ne peut pas se comporter comme on veut et après on dit l'Église va prier. Non, il faut que quand il y a des sciences occultes qui sont en train de travailler, quand même les autorités s'accrochent à ces forces-là, que voulez-vous que l'Église fasse? Non. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Parce que l'Église est faible. Nous prions, nous craignons Dieu, nous marchons avec le Seigneur. Mais de l'autre côté, ceux qui sont à la direction ne nous suivent pas. Mais allez-y comprendre quand Israël et le peuple de l'époque, quand ils marchaient, ils lui suivaient ce que les prophètes disaient. Nous voulons ça. Et nous aussi qui prêchons la parole, soyons aussi exempts, soyons aussi exemplaires, modèles. Tout dans la bateau, la journée je suis pasteur, la nuit je deviens si quelqu'un, je ne sais pas. Faire des bruits inutiles dans ma télé, combattre sur tel cas, ça ce n'est pas la charge d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu démontre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais, allez-y. Mais ça c'est très bien dit. Ça vous dérange aussi tant pour mon arabe autorité à Bambo, surtout plus en Afrique. Baligny, ba secte, ba loge, voilà. Magie blanche, bali, je dirais même. Bon, Coco, vous l'Église, vous priez. Moi, je vous abonne. Exact. Parce que vous verrez que moi, aujourd'hui, je peux dire que Jérémie, je suis en condition de le pas. J'aurais mal. Mais un chef coutumier, c'est ministre. Ah. Bon, un chef coutumier, là, qu'est-ce qu'il fait pour le pays? C'est ça aussi. Vous voyez? Et vous voulez maintenant dire que c'est l'Église, là, moi, je dis non. Et j'ai besoin que les hommes de l'Église comprennent ces choses. Donc, Bissot, tout ça n'a pas la responsabilité, mais va faciliter la prière na Bissot et ça l'agréable. Dieu, ce n'est pas le Dieu du syncrétisme. Sangissa, ça ne donne pas un bon fruit. Il faut que Batouba y ait Batola Ninza Menin. Donc, chef coutumier Nangambo, et s'il y a des choses qui se passent dans le pays, c'est le chef coutumier, on va les consulter, on va consulter les devins, mais finalement, quand il y a des mélanges comme ça, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Et là, il ne faut pas parler des églises. Les églises, nous sommes là. Et si il y a des mauvais, sachez-le aussi qu'il y a des bons. Très bien. Parce qu'on ne peut pas dire que l'Église est Zamabella. Je dis non, cette logique-là, c'est injuste. Nous devons être justes dans ce qu'on fait et on dit. Donc, nous sommes bien disposés, mais sauf qu'on n'est pas écoutés. Mais ça fait aussi mal, papa, dans notre communauté, pour qu'on soit élevé dans la fonction publique, administrative, il faut qu'on t'abaloge. Il faut l'initier, alors que ça dérange aussi les jeunes. Mais c'est ça le monde. Le monde est allé organiser la dimension. Mais néanmoins, je pense que c'était bien. Lorsque le président, notre président Tshisekedi d'aujourd'hui, quand il a commencé, il a dédié le pays tout au début de son mandat. Il a dédié le pays, n'est-ce pas, à Dieu. Il fallait qu'il ait la continuité. Très bien. Et que tout le monde emboîte les pas pour le suivre et que nous écoute, allons vers Dieu. Aujourd'hui, on aurait à avoir des avancées. Mais malheureusement, il a dédié, mais la suite. Très bien. Vous voyez ça? Voilà, ça pose problème. Merci beaucoup, Pasteur Fausté Kaka. Avant de toucher point à ma maman pour le programme Église, mais répondez quand même étant un serviteur de Dieu. Nous avons tous suivi l'émission évangéliste Kizemi Nakibila depuis Paris. Il y reconnaît que parmi ses enfants, son deuxième garçon, Azali, artiste et rappeur, communément appelé Kalash criminel, Azara na France. Et ça a sobriqué au Azoa pour que a œuvré. Sachant que son père était un pasteur au Congo, et l'enfant s'est déguisé à la Tarabakagoul. On l'appelle Kalash criminel.
Alors, les gens se demandent comment un pasteur n'a ranaillé à Robota Moana, à Zanaï rappeur, je dirais musicien mondain. Ça vous arrive aussi, je dirais même un musicien, un drummer, un footballeur, vous étant un serviteur de Dieu, et ça échec ou échoué dans la mission, dans l'éducation, ou bien Dieu fait ces choses selon. Vous savez, on nous a toujours dit tel père, tel fils. Ok? Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. En fait, l'enfant, c'est le reflet de son père. Et nous devons comprendre que moi, je suis chrétien, n'est-ce pas? Moi, Noyanga, doit suivre ma voie. Parce que Josué dit ceci. Lorsqu'il a trouvé Israël était en train de faire autre chose, Josué a dit, si vous voulez faire tout ce que vous faites là, faites-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah, okay. Vous voyez ça? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, tel que je suis là, toute ma maison doit servir. Mais la souffrance que je sens dans ça, c'est quoi? C'est pourquoi les gens comprennent. Vous savez, il y a un vent là, Europe, ceci, c'est là, les gens ne comprennent pas. Et moi, j'ai toujours dit, sans retard, que les gens comprennent ces choses-là. Et vous voyez maintenant, celui-là, je viens, je suis... Non, non, écoute. Quand l'enfant est encore petit, évitez de les amener en Europe. Parce que l'éducation européenne, il y a Mindele et Occidentaux, les enfants sont comme des rois. Il y a d'abord les enfants, la femme, le chien, l'homme. Tu vois, ce sont des réalités, les Européens savent. Et quand vous élevez vos enfants, moi je suis ici à Kinshasa, et que mon enfant est en Europe, il faut que je pousse, je dois d'abord dire, est-ce que mon fils là, il a atteint un âge de maturité pour voyager? Ça c'est ma discipline. S'il n'est pas, il n'a pas encore atteint l'âge de maturité, je ne le fais pas voyager. Parce que s'il est encore petit, il va adopter les comportements européens. Donc papa, tu n'auras plus le temps de l'orienter. Très bien. C'est pourquoi il va faire ce qu'il veut et le père va souffrir. Moi j'ai un fils qui est aussi en Europe, mais qui a atteint un âge, vous voyez, qui connaît, qui comprend. Et le reste est là. Et s'ils sont en train de me dire, ils doivent aussi grandir. Et on en voit quand ils partent, ils savent l'éducation que j'ai reçue de mon père. Il ne va plus s'embrouiller. Mais quand on envoie les enfants trop petits, ils prennent l'éducation européenne. Et je vous dis, tu ne sauras plus à maîtriser banane. Il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Parce que Yoko Fana, moi je me souviens encore un jour, j'étais en Norvège, je crois. J'étais avec mon ami dans le salon. On suivait une émission là. L'un de ses enfants est venu, papa, vous avez pris beaucoup de temps quitté. Et mon ami m'a dit, bon, ici c'est comme ça, laissons la place aux enfants. Tu vois, une telle éducation, il croit que c'est bon. Moi, je pense que chez nous, ça ne tient pas debout. Vous voyez ça? Mais quand nous les avons trop petits, eh bien, ça peut que engendrer tout ce qu'on vit là. Moi, je pense que quand tu es ici, au moins que tu sois là-bas, quand tu es ici, pour faire déplacer tes enfants, il faut se rassurer de l'éducation qu'il a déjà. Et de à quel niveau il est, ou soit il a la maturité, là, tu peux l'envoyer. Sinon, ça sera déplorable. Parce que ma pasteur est belé, ma gendre est ma pasteur. Ah oui. Tomoni, ma mbille, ma sikatenda, ma mutombo, leurs enfants. C'est que je te les donne. Parce que le père ne peut donner. Il a éducation dans une maison. Au moins, et ça, quand ma pasteur était. Ce sont des choses réelles. Vous verrez que beaucoup de médecins ont des enfants médecins. Beaucoup des avocats ont des enfants avocats. Beaucoup de professeurs des universités, leurs enfants boitent le pas. Ce n'est pas seulement les assistants. Les assistants, tout ça. Ils préparent toujours à être des professeurs. Même des hommes politiques. Même des hommes politiques. Vous verrez, ils préparent. Il y a beaucoup de gens, les politiciens ici, on n'a pas connu. Mais on le voit sortir. Quand vous posez la question, c'est son père qui a commencé. Donc, ce n'est pas seulement question de pasteur. C'est ça, l'évidence naturelle. Donc, chacun doit donner ce qu'il a à ses enfants. Et alors, les enfants doivent prendre ça. Alors, quelque part, l'évangile qui s'est mis dans Kibi, là, quand même, pour bien être surpris. Moi, dans la salle, il y a déjà musique. Il y a des baratés. Moi, c'est camoufle. Donc, ça, quand même, je dirais... Et ils allaient erreur, quoi. Bon. Ils allaient manque, il y a vigilance, quoi. C'est à lui de comprendre, oui. On peut le dire comme ça. On peut le dire aussi échec, parce que quand un enfant fait autre chose que ce que tu fais, quelque part, c'est une trahison. Comment je dis trahison? Ça sera à un moment donné, quand les gens, tu veux le parler, écoute, fais ça, mais écoute, ton fils alors.
Ça devient déjà l'handicap. Or, lorsque nous servons Dieu, il faut éviter à tout prix les handicaps. Donc, il faut travailler Dieu avec liberté. Et quand tu veux donner un témoignage, tu dis, voici mon, il y a lui aussi, on voit son fils, ses enfants évoluent. C'est ça la réalité. Mais sinon, il y a déjà l'handicap. Alors, merci beaucoup. Alors, papa, pour la bandeko, il y a un problème, il y a une santé, problème familial, qu'on appelle des liens, des réclamations. Il y a des gens qui nous appellent. Mon appelé Moutoua Koli, Azana Posabala, Moutoua Bota. Mais ça ne vient pas. Soit la balle qui est celle plus battante dans les balles, mais balle à bas zoé, t'es zaranine en fait. Punition, c'est la réalité. Pourquoi prier pour mon abot, c'est vrai? Dans la vie, ce n'est pas nous qui commençons, la Bible nous démontre. Une femme comme Sarah, à Sarah qui bien évolue, qui bien, la Bible dit qu'elle était stérile. C'était bien après qu'il y a qui combote. Donc, et un homme comme Paul, on nous dit qu'il avait les chartes. Il a prié, Dieu lui a dit. Ma grâce te suffit. Vous voyez ça? Ici, je vais essayer un peu de faire comprendre aux gens. Il y a une chose et une vérité. Lorsque quelqu'un est dans une situation complexe, il perd même son pédale. Il commence à se pencher partout. Tout va, il est là. Or, quand tu as un problème, soyez calme. Cherchez une direction réelle qui peut te donner la réponse. Amen. Parce que quand tu empruntes plusieurs directions au même moment, tu vas échouer. Donc c'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs qui nous suivent, tu es malade, tu as des problèmes, tu t'es dit, je suis au bout. Oui, tant qu'homme, il faut être au bout. Mais une pensée de la Bible dit, là où l'homme est fatigué, s'arrête de toute sa force, c'est là où Dieu commence son... Et ceux qui sont malades, n'oubliez pas que notre Dieu, on l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui me guérit. Il n'y a aucune maladie qui peut échapper à notre Dieu. Aucune alors. Donc, penchons vers Dieu, rien que Dieu. Et je sais, pendant le temps des problèmes, oh, la Bible nous donne une sagesse en disant, le jour de malheur, au jour de malheur, réfléchis. Pendant que l'homme réfléchit, doit regarder par où je peux donner mon mot. Mais ce n'est pas parce qu'on voit dans une télé... dans un réseau, tel a fait ceci, tel a fait ceci, que toi tu vas se pencher. Non, il faut être calme. C'est encore possible pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Très possible. Et bon, bah, lien du Tumba famille, papa, bah, blocage. Les blocages, les ceci, ça c'est la vie africaine. Vous voyez, on a toujours tendance d'être bloqué, toujours tendance d'être lié. Mais il y a une seule personne. Jésus a dit dans Luc chapitre 4, 18, il dit que il m'a ouais pour libérer les captifs. Je connais une personne qui est expérimentée à ta délivrance, c'est Jésus. Si tu peux te rester fidèle à Jésus, ta délivrance sera consommée. Donc ne suivez pas le vent des hommes, suivez la personne de Jésus. L'homme a la criche à la tête, il a la capacité de libérer, de te délivrer, et de tous ces liens-là doivent tomber. Parce que même si la famille t'a maudit, Jésus, par Jésus, la bénédiction peut arriver. Donc voilà un peu ça. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Le message est lancé. Donc, Bino Bobenga Rabisso, très régulièrement pour vos problèmes, vos situations. Je crois que nous devons continuer à prier, chercher le bon canal et tout va s'améliorer. Alors, numéro à pasteur Faustin Ikakeza affiché au bas de vos écrans pour plus de communication, messages ou appels. Papa est là, il va vous répondre. Alors, pour citer l'homme de Dieu, c'est quoi le programme pour le monde de la femme à une église? Pour la monnaie, affiche, ils allaient un peu, ils bandent un peu partout. Oui, parce que, tous les moi de la femme, et moi, je me clignons, c'est Yébi, qu'il faut que moi, si, je l'honore, et puis, je peux te dire que chaque mois, dans le mois de fin mars, tout ça, la convention des femmes sans limite, qu'on fait en sigle, où nous appelons toutes les femmes pour les honorer. Et cette fois-ci, et Kozala du 28, c'est un mardi, au 2 avril, 28 mars, jusqu'au 2 avril, n'est clôture. Donc nous avons 5 jours qu'on va prier avec des femmes, on va enseigner, on va parler de tout sauf rien, et la gloire de Dieu a toujours été au rendez-vous à tout moment quand nous organisons
ces assises. Ce sont des assises en caractère international. C'est pourquoi nous appelons tout le monde de partout où vous nous écoutez. Vraiment, on sera aussi en ligne. Suivez Centre de Foi TV. Et on est là, Centre de Foi officiel. Et entrez et vous allez suivre tout ça du 28 au 2 avril. C'est ça le plus grand activité que nous avons. Nous sommes en train de préparer. Alors, numéro et contact pour Bandeko, Bazan a besoin. Numéro pour ceux qui veulent nous contacter. Nous sommes dans les 00243 99 96 749. 00243 99 99 pour les Français, 26 749. Donc là, tu peux nous contacter dans partout, WhatsApp, vraiment tu es ouvert là-bas et on est dispo à vous répondre, à vous conseiller, à prier pour vous, tout ce que vous allez demander selon la volonté de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est pratiquement fini. Nous avons eu ce plaisir de recevoir le pasteur Faustin Ikaka et le travail continue. Alors, merci encore une fois et clin d'œil spécial à tous nos abonnés, à tous nos téléspectateurs, mais également à tous nos partenaires. Mimi Ndoumé, depuis Mönchengladbach en Allemagne. Je pense à Sema Mayasi, femme légitime, mais agence Mayasi Forza Italia. Il y a Luzombala de Madrid, le célèbre Dien Zundu à Washington, Douaya Moulumba aux États-Unis, le conseiller Papa Philippe Kabouikou à Fribourg, et pourquoi pas, Nabandeko Nyon, Sobata Nabisson en Asie, Dubaï, Chine, Japon, Koweït. Et vraiment, nous sommes ensemble. Afrique du Sud, Irlande, je vous salue. Je pense aussi à Nabandeko Ming, il y a Suisse, Belgique, France, Londres, un peu partout. Botali Bisso, Gérard Sadam dans Manchester. Et aussi, je vois Bandeko Bele, Bishop Dinangama depuis Caroline du Nord, États-Unis. Pasteur Olivier Tabal à Londres. Ba serviteur de Dieu Nyon Sobotal Arabisso. Que Dieu nous bénisse. Bye bye et à bientôt. Merci, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bye. Tout à même ma vie. Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable de l'Ophelina. Jésus est mon papa. Je suis là pour nous représenter les gens qui ont besoin de difficultés. Nabandaki Moussala, oh, ça fait longtemps, il y a beaucoup de bana, selon ainsi dit l'Éternel. Mais la difficulté, les amis, difficulté, il y a le loyer parce que tu es au foot là, et puis difficulté, au foot là, bana Minerval, pour te chute au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu es à l'indambo. Nazo banga, que bana, oh, baka ta classe, bako manangona soukate. C'est pour cela, Dieu m'a mis au cœur, n'a lancé un message, oh, on a battu nyoso, ya moté mamalamu, basunga bana, oh, bo zomona na bilili. Bana, oh, bo zomona na bilili, ndambo na juna rompengaba, ndambo victoire, ndambo limité, et puis ndambo l'état pesengaye. Pour la bande de kolanga nyoso ba congolais, bobi ba réalité ni ni to passe nango na mboka. Ce qui est simple individu, nandimi kozwa bana, oh, na boko la na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a soub à faire dans Zélaté. C'est difficile, il y a aussi un grand moko. C'est pour cela que nous lançons un appel na banagno sur Nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, pour la taper, pour la bango. Nous avons un bâtonnier sur Baza qui est sensible, pour Baza na motema kosunga, ba sunga biso, pe ba salisa biso. Tout ça na commune, il y a Kalamu, quartier Kauka, référence, il y a Mounene, tout ça na université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour Nabato, Balingi va contacter Bissot pour Nabat détail Moussousou. Ils ont plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo Labatou Nyosoyo, Bako assisté Bissot. Merci beaucoup. De santé nationale puissante chez Docteur.